Ça ne se situe pas du tout sur ce plan-là. Je crois que la religion islamique est une religion qui n'a jamais réussi à s'établir de façon pacifique dans un pays chrétien. L'islam vous fait peur ? Et l'exemple, ah oui, l'islam me fait peur d'abord parce qu'il est en formidable expansion démographique et en formidable tension religieuse. Et dans tout cela, rien de tout cela n'est objectivement méprisable. Mais c'est une force étrangère qui se constitue et qui est animée, comme les forces en expansion, d'une volonté de conquête, même inconsciente, si vous voulez. Et moi, mon devoir d'homme public français, c'est de protéger la France et les Français, les Européens et l'Europe, des tentatives hégémoniques qui viennent de l'extérieur. Mais des deux religions. Les deux religions actuellement principales en France, du christianisme ou de l'islam, y en a-t-il, elles sont-elles de même valeur ou à votre avis y en a-t-il une qui a une supériorité sur l'autre ? Bien sûr que oui, il y en a une qui est chez elle ici, dans son espace historique, c'est la religion chrétienne. La religion est islamique, l'histoire en a ainsi décidé, a eu sa zone d'expansion ailleurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont deux religions de nature très différente. Car il y en a une qui mêle de façon, en quelque sorte, inextricable, le social, le politique et le religieux, c'est l'islam, et l'autre où cette séparation s'est faite peut-être même de manière excessive. Or, il faut savoir que la terre d'islam, c'est une terre sur laquelle s'applique la loi de l'islam. Et si vous acceptez de donner à l'islam les signes extérieurs de reconnaissance de la qualité de terre d'islam en Europe, à ce moment-là, vous serez contraint de donner l'un après l'autre, l'une après l'autre, des concessions de plus en plus, à des exigences de plus en plus fortes pour imposer non seulement les mœurs, les coutumes, le costume, mais encore et surtout le droit civil, la façon de penser. Or, nous avons droit français à nos lois, à nos mœurs. Et si des gens viennent chez nous, quelle que soit leur motivation, ils sont tous astreints, comme moi je le suis.